Alors, reprenons mes chers enfants. Bon, clairement, ce dragon me pète les burnes. Le boss des DLC me casse les couilles. Et j'ai regardé la solution. Alors, il faut aller là où on avait affronté la putain d'araignée. Alors là, où est-ce que c'était? Je n'en ai aucune idée. Putain, mais c'était où? Ça, ils sont sympas, ces fils de putain. Ils te disent, allez, faut aller à l'araignée. Mais elle est où l'araignée, la con ta race, là? Là, j'ai oublié une zone. Non. Oui, c'était ça, non? C'était là, je crois. C'était pas là. Ah putain, il peut pas me l'indiquer là, ces abrutis là, au lieu de te dire retourner là où il y a l'araignée. Tu crois que je sais où elle est l'araignée là? Porte Pharos, mais. Putain, c'est là. Quoique. C'est là? C'est là. Putain. C'est le kill bâtard qu'il faut que je tue. Oh merde, je me souviens plus qui c'est le gentil. Il a une bague. Il est censé avoir une bague. Mais je vois pas la vague. On va en avoir un combat face à nous, hein. Lequel va gagner si on touche à rien? S'entretuer là. Je tuerai le vainqueur. Putain, je sais plus lequel il faut tuer là. Ils se font pas de dégâts. Putain, je sais plus lequel va tuer. Oh, c'est lequel qui a la bague? Ah putain! C'est lequel que j'ai aidé? C'est lui? Je crois que c'est lui, hein.
Putain, bon, je gaspille ma torche, mais c'est pas grave. Non! Oh, j'ai tué les deux. Lance de patte. Merde, c'était lui! C'était effectivement lui. Masque. Non! De Creighton. Réussite de pas brûler, merci. Bon, bah, j'ai tué les deux. Jamais. Bon, c'est pas grave, allez. Putain, j'ai fait une Anakin, mais on voit bien. Non! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah là là, putain, merde. Vas-y, tu peux manger ta grand-mère, fils de pute. Allez, viens là, toi. Et merde! Oh, j'ai pas tué le. J'ai tué les mauvais! T'as le pauvre gars, je l'ai libéré de prison et là j'ai fait NON! Arrêtez de vous battre! J'ai mis une énorme claque aux deux! On va les avec un passe-tapé! Ah, je suis attristé. Ce combat était. Triste. Bah ça dégueulasse hein. Attends, mais en fait je pensais que j'allais faire un backstab et en fait pas du tout. Le jeu il a fait nope. Chambre privée du seigneur. D'accord. Ah, un feu. T'es pas là, désolé. C'était ça. C'était cette grosse bite qu'il fallait toucher. Exact. Bah! Comment tu gilais ça? Souvenir draconique. On ne peut rester longtemps dans ce monde des souvenirs. Oh non. Oui? Attends. Où est le feu? De la zone. Putain, il y a un truc, il y a un dragon géant là. Je veux bien un petit feu, messieurs. Oh! Un dragon ancien? Tu peux en avoir deux, en fait?
Ah non, faut. Quoi? Ah mais en fait si tu tues le roi. Ah ok attends merde, non, en fait je suis revenu là mais. Mais ça servait à rien. Ok. La forêt des géants défunts. Putain. Un truc que je voulais voir, c'est la bague de pâte. Wow, c'est quoi ça? Attends, ça c'est encore mieux. Attends, 67,6. Ah non, ça baisse, c'est nul. Par contre, je peux pas avoir ma vie sans deck. Mais non, mais je suis trop con, mais. Encore plus de vie. Bon. Ok, donc j'ai déjà l'âme du dragon ancien. Donc si je l'avais tué, j'aurais pas eu à aller là. Non, je voulais pas te parler. Forêt. Ok, alors il était où? Attends, attends, on va te faire péter ça là. Parce que oui, ça c'est un passage secret en fait, hein. Le sachiez-vous. Tu me casses les burnes. Et voilà.
examiner. Ok. Souvenir de Vamar. Ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Rien du tout. Un troll dans les cachots. On va redevenir humain. Laisse-les. De pute. Allez, reprenons. Cette fois-ci, le troll ne nous fera pas peur.
Oh, mais t'es nul à chier, on veut le backstab! Grenade de feu. Ouais, montre-moi ton cul, c'est très bien. Ouais, attends, j'ai que 5 minutes. Oh putain, what the fuck, c'est la guerre là. Putain, on est où là? Non! Mais c'était pas explicite que c'était du vide ça! Putain! Oh là là! Non mais voilà, maintenant ça me casse les burnes! Oh putain. Bon, attends. Vas-y, casse-toi. Mais fils de pute, ta grand-mère la chienne! Suscure! Oh putain, alors lui, il est plus grand lui. Vas-y, viens là, je vais te faire tomber, moi. Je vais te faire courir, moi, le rouquin, là.
Ouais. Ok. Ah mais il fallait parler à un mec. Ok. Bon là, ce jeu de merde me pète les burnes. Voilà. C'est où que je l'ai tué ce con? Putain. Où est-ce qu'on tue le poursuivant? Je m'en rappelle pas. Bah c'est toujours là. C'est là-bas, il me semble. Le prince des fils de pute. Oh, mon bon ami. Ah, les Romains, vous êtes des Romaines. Bon, attends. Va quand même les éliminer, non? Non, c'est bon.
meet you in your darkest hour. Have a great day to you. I, Ben Hart, swear by my honor. Day. Have a great day. Très bien, par contre, c'est pas la fin du jeu là, j'espère. Oh, si on s'approche de la fin là. On s'approche de la fin. Du coup, après cet arbre, j'irai faire tout ce que je n'ai pas fait. Ah! Ok. Par contre, je veux essayons l'autre côté. J'ai pas envie de le tuer, le pauvre. C'est son épée, quoi. Genre, elle est très jolie, mais. Merdier. Ouais, en fait, ça me ramène là. Les deux chemins étaient des chemins potentiels. Ah merde, j'ai fait le chemin inverse. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ok. Ça va, la petite abeille là qui était là, t'as gêné. Bon. Merde.
Salut, c'est Oarida, suite du guide platine de Dark Souls 2 Scholar. Le vieux, il est pas là. Pourquoi le vieux n'est pas là? Il me semble, de mémoire. Donc c'est ce fameux vieux dans son fauteuil roulant que l'on a rencontré trois fois. Donc on va le re-rencontrer trois fois, sauf qu'on va aller dans son cerveau cette fois. Alors, il est dans les bois de l'ombre, il est à la forte... Non, il est dans le... Oui, dans les bois de l'ombre, château de Rand Lake et... où est l'endroit? L'autre endroit. D'ailleurs, c'est l'endroit par lequel on va commencer. Dans le Ravin Noir, voilà. Donc on va aller dans le Ravin Noir dans un premier temps. Donc en fait, c'est trois mini-zones. Dans les deux premières mini-zones qu'on va visiter, il n'y aura pas de boss. Et en revanche, dans le... Dans le Ravin Noir, voilà. Donc on va aller dans le Ravin Noir dans un premier temps. Pixel, d'accord. Pas avec cette boîte. Oui, je te le donne. Téléporte aussi là-bas. Que je l'ai croisé à trois endroits différents, ce PNJ là. Et à chaque fois, il était à côté d'un truc aussi comme ça. C'était pas là qu'il fallait trouver. Oh non, mais elle me saoule. Oh, tu me saoules, toi. Tu me casses les couilles. Putain. Seulement, je savais comment utiliser ton putain d'œil à la con, là. C'était ici. Ouais, c'était là. Est-ce que si je te reparle, tu me redonnes un truc? Je te donne une effigie. Je te donne une effigie. Ouais, ça ouvre un autre portail ici. Ok. On peut pas trouver ça par hasard. C'est vrai qu'il y avait un autre passage là-bas. Oh, il y a plein de trucs. Bon, qu'est-ce que tu veux, papy? Tu m'emmerdes là. Il veut pas me laisser passer, ce con là.
peut-être faire la zone là-bas. Putain, faut le rencontrer trois fois ce con là.
Oh mais putain le log de merde! Voilà.
the work, how they... Thank you.
Tablette de titanite? What the fuck? Alors là.
Ah. So abyssal. Reprenons mes chers enfants. Voilà, donc c'était compliqué hein, d'accéder à ce level. Bon, clairement, sans celui, ce n'est pas faisable. Clairement. Alors, gouffre obscur millénaire, nous y sommes. Oh, je suis devenu un noir. Enfin, je n'ai pas dit ça. Je suis devenu. Ça, j'aime pas ça, tu vois, c'est ça le truc. Oh putain, heureusement ils nous ont mis à feu là. Putain, alors lui il est chiant parce qu'il faut lui donner une effigie pour aller dans les ténèbres. Ce que j'adore moi, c'est Mario 64. Ça tombe bien, ils ont mis un niveau Mario 64 dedans. I am a black ghost, oh my god. Oh. Eh mais c'est... C'est celui de Dark Souls. C'est du feu qu'il fallait mettre là-dedans. Je sais pas.
Non, c'était l'eau que j'entendais. Attends, il faut aller où là? J'ai pas un truc pour allumer un feu. Ah, peut-être qu'il faut retourner dans les trois zones en fait. Alors là. Je dois avouer ne pas trop savoir où aller, hein. Allons monter le niveau. Et je n'aurais pas fait de boss aujourd'hui encore. Quel dommage. Mais nous avançons, nous avançons. Peut-être allumer les trois trucs. Si le mec il m'en vend 3, c'est qu'il y a forcément un truc à faire dans les 3. Putain de verre de merde là.
Ouais, c'est pas le même. C'est pas le même niveau. Nine. Oh bah alors là, fils de pute. Qui ce mongolo? Bon, merci. Ok, bon. Maintenant j'en ai plein le cul. Ce jeu m'énerve. Ce jeu m'énerve. Qu'est-ce que c'est que ce. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, à chaque fois que tu vas crever, tu vas devoir gaspiller une effigie humaine pour ce niveau de merde. Non. Non. Oh putain. Mais quoi? Mais. Mais je t'ai pas. Je t'ai déjà tué, toi. Ta mère, toi, grosse pute. Elle arrête de rigoler comme une débile, l'autre.
Vas-y, casse-toi la gueule hein, avec le pathfinding dégueulasse. Peut-être allumer les trois torches. Solus, je saute pas dans le vide si c'est de la merde. Voilà, je n'ai plus la patience de faire ça. Ah putain, en plus c'est le boss le plus puissant. Ah, attends, mais non. Ok. C'est la sortie, ça, en fait. Putain, non, mais comment tu veux le deviner que c'est la sortie? Faire le dernier truc. Par contre, c'est quoi le plus simple? Ah bah non, mais ce sera oui. Le plus simple d'accès, ce sera l'autre. S'il faut à chaque fois allumer le truc, c'est super chiant. Bon, dans la mesure, c'est l'un des boss les plus durs de Dark Souls 2. On le fera vraiment à la fin.
Bon, on va lui acheter un truc histoire de pas gâcher. Voilà. Il y en a deux.
Un petit feu juste avant, ce serait sympa. Quoi? Bon, j'en ai marre maintenant. Pourquoi je suis pas au boss? Bon. Ok.
Voilà pourquoi je ne suis pas arrivé jusqu'à ce boss de merde. Je ne le sais pas, les trois trucs sont putain d'allumés et je vais pas gaspiller des effigies humaines pour ce boss de merde. Donc voilà. Voilà, c'est bon, le jeu a déjà réussi à me faire chier, c'est bon. Pourquoi ça marche pas? Putain, il faut en faire trois, j'en ai fait trois, merde! C'est mal fait. Vous souvenez-vous peut-être que dans ce niveau-là, je me suis barré avec. Avec. Un os de retour. Faut pas faire ça, faut sauter dans le trou, sinon ça ne vous valide pas le truc. Donc ce jeu est très mal fait. Voilà, ça m'énerve parce que je l'ai déjà fait, je vais devoir le refaire. Et ça va me vénère. Bon, tu vas. Ferme ta gueule. Tais-toi. Voilà. De toute façon, ce boss, on va pas pouvoir l'affronter maintenant, d'après ce que j'ai compris. Donc je me casse les couilles pour rien. Mais. Je m'en fous. À ce stade-là, je m'en fous complètement. Je veux juste valider cette zone et ne plus jamais y retourner. Bon, toi, faut te faire tomber. Ou te tuer comme ça, ça marche aussi. Tu vas le loquer ce con là? Voilà, fils de pute de jeu de merde. Voilà, n'oubliez pas, on saute dans le trou. Voilà, tu vois le trou qui fait peur là et qu'il faut jamais sauter dans les trous. Bah là, il faut le faire. Ce jeu de merde, quoi. Ce jeu de merde. Ça m'en fait grincer les dents là, putain. Ah. Oula. Zesto. Ok, d'accord, nique ta pute de merde, la pute! Il m'a tout shot ce bâtard, mais putain, mais la vie de merde! Bon, il faut se mettre dans son cul.